prendre la canne. On va monter dans le bateau. Et on va aller chercher deux, trois petits spots où les poissons pourraient s'alimenter. Parce que là, j'ai quand même un peu envie de tendre les lignes. Et vu que c'est pas très très pêché, je pense que c'est du poisson à faire même en pleine journée. On va pas tarder. Hein. On met juste un petit plomb. Au bout de la canne, en tresse. Pour pouvoir bien ressentir tout ce qu'il y a au fond. Et pêcher sur quelque chose de propre. On est à peine 30 mètres du poste. Et on a déjà un immense herbier qui fait une espèce de banane là, qui part à 20 mètres du bord ici pour rejoindre la bordure là-bas. Ça fait une espèce dense. Donc on va essayer de trouver une zone propre là-dedans. Faut jamais oublier ces pots-là parce que quand l'eau est claire comme ça, on arrive à voir les différences de substrat directement avec les pots-là. Là, on voit une tâche bien claire, ça doit être propre. Ah, il y a un maxi herbier là. Ça va faire des couloirs, les poissons doivent passer entre les herbiers. Je vais regarder combien il y a de fond. Là, c'est pas compliqué. Hein. Prenez juste votre canne avec le plomb et vous descendez à la verticale. Qu'il y a de l'herbe, c'est dur mais il y a de l'herbe dans le fond. Mais il y aurait peut-être aussi un peu de carnassier qui s'est mis à taper dans le plomb, j'ai l'impression, parce que j'ai eu là, ça... oh, ils sont énormes les herbiers. Par contre, là, le bateau il va être indispensable, pareil, en pleine nuit, à mon avis, pour aller chercher un poisson si on a un run. Il va falloir prendre le bateau directement, parce que vu la densité des herbes, généralement, c'est bon signe. C'est pété de nourriture naturelle. Et les poissons sont bien gros, généralement. On va continuer à chercher. Je m'éloigne trop. Moi, je vais vous expliquer ma façon de pêcher là pour ce plan d'eau, parce qu'on est sur un petit lac, on va dire un petit plan d'eau qui fait une trentaine d'hectares. Donc on a une profondeur moyenne qui fait 4 mètres, entre 4 et 5 mètres on va dire, avec beaucoup d'herbiers, il y en a vraiment, ils sont hyper denses et beaucoup de cailloux aussi. Donc on va pêcher simple mais super costaud. Donc je suis passé carrément en tresse en corde de ligne avec une tête de ligne en 50-60 centièmes, je crois que c'est 60 que j'ai glissé. Faut que ce soit bien costaud sur les cailloux surtout, et la tresse va me permettre de pouvoir découper les herbes si jamais le poisson me tanque dedans. Ensuite, pour faire simple, hein, un lead core, je mets un bon mètre là encore une fois, et surtout la partie plus importante qui est un peu plus technique, ça va être le clip long. C'est un hybride encore une fois, je pêche très souvent des zones encombrées, donc j'utilise vraiment souvent ce clip long, mais c'est vrai qu'il me sauve tellement de poissons que au moins quand le plomb se bloque dans un herbier ou dans un tas de bois ou quelque chose comme ça, à chaque fois dans les obstacles, au moins le plomb saute et ça permet de continuer le combat. Donc quitte à choisir à perdre un plomb ou perdre le poisson, je pense qu'il vaut mieux encore perdre son plomb. Derrière, on passe forcément sur une petite agrafe quick link hein, pour changer rapidement de baline et surtout pour pouvoir insérer un stick rapidement. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je vais poser à chaque fois pour que ça pêche bien sur les herbes, je mets à chaque fois un stick. Et donc le bas de ligne en end trap en 30 livres pour rester super costaud. Et derrière, on utilise soit les hameçons, les Wild Game Picks, soit les continentaux au choix pour pouvoir avoir des hameçons forts de fer et sortir les poissons des obstacles quand même, parce qu'il va falloir leur tirer un peu dessus s'ils rentrent dedans. Et après, derrière, on va utiliser là par exemple des noix de tigré, une que j'ai vrillée exprès pour y insérer un cylindre en liège pour équilibrer le tout, pardon. Ce qui fait que ça va venir se poser comme ça sur le fond. Une présentation vraiment allégée, et là le poisson il va arriver à côté. Ça va être la première chose qui va lui sauter dans la bouche
Avec la petite articulation du montage et la gaine thermo, elle devrait se piquer sans trop de problèmes. Bon, je me prépare un petit stick mix parce que quand je pêche dans les herbiers comme ça, même si, si à la base mon spot c'est super propre, etc., on sait jamais vraiment exactement où on pose l'hameçon parce qu'on a beau d'abord se faire taper avec le plomb, quand on reclipe le montage après, on peut être décalé de 10 cm et tomber sur une touffe d'herbe. Donc je mets toujours un stick sur le bas de ligne pour que ça pêche vraiment bien et au moins, même si c'est posé sur un petit peu d'herbe, ça fait un petit tas d'amorce et au moins ça pêche très bien. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord tout mon mélange de farine, de thon, etc., grossièrement dans un premier bucket. Et après, je passe le tout. Je rajoute un peu de tigre quand même que je vais concasser grossièrement aussi dans celui-ci. Une fois que j'ai bien mélangé celui-là, donc j'ai un mélange, hein, j'ai du stick mix aux épices, hein, le salty chili fish, j'ai le hemp seed aussi au chêne vie pour mélanger les deux. Je mets un petit peu de tigre broyé, de micro-pelé, je rajoute du thon. Et ce que je fais pour que ce soit bien mélangé et super fin après dans le stick, et ben je repasse le tout au crushat, que après je viens vider dans un deuxième bucket. C'est hyper homogène, bien mélangé. Bon, ça colle un peu dans le fond du crushat, mais au moins le thon il est bien éparpillé. Les morceaux de tigre, de pelé, tout est bien éclaté. Et on est sûr que ça diffuse super bien après avec le stick pour avoir un appât qui pêche à 100%. Bon, après avoir lamentablement cassé, la prise de contact, ça a cassé. Donc on a tout refait vite fait, bien fait. On repose tranquillement la canne. Essaye de repérer. Est-ce qu'il y a de mieux de faire un fish quand il n'y a pas un poil devant? Bon, c'est pas des conditions terribles pour toucher du poisson, mais quand on en fait un et qu'il n'y a pas du tout de vent, c'est tout lisse, il pleut pas, il fait super lourd. Et en plus, quand on fait un poisson comme ça, si c'est pas mortel, si j'avais la voix pour crier come on, je le ferais, franchement. Mais là, je risque de me faire mal. Donc, je vais me contenter de vous la montrer et de vous dire que je l'ai faite encore en plein milieu des herbiers. Mais vraiment en plein milieu, je suis arrivé, le poisson à peine ferré, elle était déjà tankée. J'ai pris le bateau, je suis arrivé au-dessus. Elle avait que la tête qui dépassait des herbiers, c'était le plomb qui était complètement bloqué dedans. Et c'est là l'avantage d'avoir un clip plomb comme le hybride qui permet de justement faire sauter le plomb très rapidement. Quand le poisson est tanké, et là ça n'a pas loupé, le plomb a à peine sauté que après j'ai réussi à décoller le poisson dessus des herbiers pour finir le combat, la mettre à l'épuisette tranquillement quoi. Une vraie torpille, je sais pas combien elle pèse, on va dire, je m'en fiche un petit peu. Ce qui est génial, c'est qu'elle est magnifique, c'est sur un nouveau lieu en plus, j'ai jamais pêché ce plan d'eau et trouver la solution dans des nouveaux terrains de jeu, pardon, c'est toujours du bonheur en plus. Franchement, si c'est pas terrible ça, s'il manquerait plus qu'on touche une grande sœur, et là ce serait mortel. Là ça vaut le dépassement.